Salut les CM2! Encore une fois, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle leçon de conjugaison. Cette leçon portera sur le conditionnel présent des verbes du premier groupe, mais également des verbes avoir et être. Alors, comme d'habitude, installez-vous bien et surtout, écoutez bien la maîtresse. Sans plus tarder, nous allons découvrir ensemble la phrase. Ce garçon éternuerait à cause d'un rhume. Alors, quel est le verbe conjugué de cette phrase? Très bien, éternuerait. Maintenant, quel est l'infinitif de éternuer? Bravo! C'est le verbe éternuer. Quel est le groupe de ce verbe? Bravo! C'est un verbe du premier groupe. Maintenant, chers élèves, observez la terminaison de ce verbe. Que remarquez-vous? Excellent. La terminaison est celle de l'imparfait. Maintenant, que pourriez-vous dire à propos du radical? Très bien, c'est l'infinitif du verbe. Bravo! Donc ici, pour composer ou pour conjuguer le verbe éternuer, j'ai gardé l'infinitif du verbe et j'ai rajouté la terminaison de l'imparfait. On appelle ce temps-là le conditionnel présent. Bien sûr, pour les verbes du premier groupe, je répète, pour conjuguer un verbe du premier groupe au conditionnel présent, je garde l'infinitif du groupe, du verbe, et je rajoute la terminaison de l'imparfait. Bravo! Très belle chanson sur l'amitié, n'est-ce pas? Allez, découvrons ensemble le deuxième exemple. Si nous étions dans la cour de récréation, nous chanterions au nom de l'amitié. Alors, encore une fois, quel est le verbe conjugué dans la phrase? Très bien, c'est chanterions. Son infinitif, c'est bravo, chantez. Bien sûr, le verbe chanter ici est conjugué au conditionnel présent, car nous avons l'infinitif du verbe plus la terminaison de l'imparfait. Maintenant,
conjuguons ensemble le même verbe, c'est-à-dire chanter. Je chanterai avec AIS. Bravo. Tu chanterais AIS. Excellent. Il, elle ou on chanterait a été. Super. Vous chanteriez IEZ, très très bien. Il avec F, elle avec F, chanterait. AIENT. Bravo. Maintenant, vous savez tous conjuguer un verbe du premier groupe au conditionnel présent. Il suffit de garder l'infinitif du verbe et rajouter la terminaison de l'imparfait. Bravo! Oh. On continue avec un autre exemple. Amina aurait un rendez-vous chez le médecin. Je vous pose la question, quel est le verbe dans cette phrase? Très bien, c'est aurait. Quel est son infinitif? Bravo, c'est le verbe avoir. Maintenant, observez la terminaison de ce verbe. Très bien. Encore une fois, nous avons la terminaison de l'imparfait. Observez bien le radical. Que remarquez-vous? Très bien. C'est le radical du futur simple. Bravo. Donc ici, nous avons conjugué le verbe avoir au conditionnel présent. Je mets le radical du futur simple plus la terminaison de l'imparfait. Maintenant, nous allons conjuguer ce verbe au conditionnel présent à toutes les personnes. Allez, on commence. Première personne du singulier. Bravo, j'aurai. J'ai le radical du verbe avoir du futur simple plus la terminaison de l'imparfait. Tu aurais. Bravo. Tu aurais avec AIS. Nous aurions. Bravo. IONS. Vous auriez. Super. IEZ. Il avec S, elle avec S, aurait. AIENT. Excellent. Donc, pour conjuguer le verbe avoir au conditionnel présent, je mets le radical du futur simple et je rajoute la terminaison de l'imparfait. C'est très simple. Passons maintenant à un autre exemple. Notre voisin serait en voyage. Encore une fois, quel est le verbe dans cette phrase? Très bien. C'est serait. Je l'ai conjugué à quel temps? Bravo. Conditionnel
présent. Vous avez le radical du futur simple plus la terminaison de l'imparfait. Très très bien. Maintenant, nous allons conjuguer le verbe être à toutes les personnes. Je serai, IS, tu serais, IS, il, elle serait, comme nous l'avons dans l'exemple, IT, nous serions, IONS, vous seriez, IEZ, et enfin, il avec S ou elle avec S serait, IENT. Récapitulons. Pour conjuguer le verbe être au conditionnel présent, je mets le radical du futur simple plus la terminaison de l'imparfait. Bravo! Maintenant, chers élèves, nous allons voir à travers des exemples à quoi sert le conditionnel présent. Premier exemple, auriez-vous de la monnaie, s'il vous plaît? Alors ici, qu'a-t-on exprimé? Bravo! Ici, j'ai formulé ou exprimé une politesse. Bien sûr, pour demander de la monnaie à quelqu'un, je ne vais pas lui dire « Tu as de la monnaie ?» ou « As-tu de la monnaie ?» Non, je vais utiliser le conditionnel présent pour être plus poli. Donc ici, le conditionnel présent sert à exprimer une politesse. Bravo. J'aimerais bien voyager en avion. Encore une fois, ici, nous avons le conditionnel présent. Alors ici, j'ai exprimé quoi? Très bien. J'ai exprimé un souhait. C'est-à-dire, je souhaiterais bien voyager en avion. Excellent. Je sortirai peut-être demain matin. Alors ici, nous avons utilisé le conditionnel présent. Pourquoi? Fabuleux. Ici, je ne suis pas sûr si je vais sortir ou pas. Je suis dans le doute, n'est-ce pas? Donc je suis incertain ou incertaine. Peut-être que je vais sortir, peut-être non. Donc ici, nous avons exprimé une incertitude ou un doute. Bravo! Et enfin, la dernière phrase, si Amine travaillait, il s'achèterait une voiture. Très bien. Alors, est-ce que Amine travaille?
Bravo, il ne travaille pas. Mais si un jour il travaillait, il s'achèterait une voiture. Alors, quelle est la condition pour que Amine s'achète une voiture? Très bien, il faut qu'il travaille. Donc la condition ici, c'est travailler. Et après, acheter la voiture. Donc ici, le conditionnel présent exprime une condition. Bravo. Je récapitule. Le conditionnel présent sert à exprimer soit une politesse, un souhait, une incertitude ou une condition. Comme à l'accoutumée, chers élèves, nous allons élaborer ensemble notre carte mentale. Carte mentale qui sera bien sûr recopiée soigneusement sur votre cahier de règles. Commençons par les verbes du premier groupe. Pour conjuguer un verbe du premier groupe au conditionnel présent, je garde l'infinitif du verbe et je rajoute la terminaison de l'imparfait. Exemple, j'aimerais bien visiter l'Italie. Donc ici, la partie en bleu, c'est l'infinitif du verbe, auquel j'ai rajouté la terminaison de l'imparfait. Passons maintenant au verbe avoir. Pour conjuguer le verbe avoir au conditionnel présent, je mets le radical du futur simple, pardon, puis je rajoute la terminaison de l'imparfait. Exemple, auriez-vous de la monnaie, s'il vous plaît? Comme vous le voyez, la partie en bleu, c'est le radical du futur simple, auquel j'ai rajouté la terminaison de l'imparfait. C'est la partie qui est en rouge. Et enfin, le verbe être. Pour conjuguer le verbe être au conditionnel présent, j'utilise le radical du futur simple comme le verbe avoir, puis je rajoute la terminaison de l'imparfait. Exemple, seriez-vous malade? Bravo, je suis fière de vous. Vous avez bien suivi avec la maîtresse. Maintenant, passons au premier exercice d'application. Bien sûr, quand vous allez le faire, vous allez mettre la vidéo en pause.
Conjugue les verbes entre parenthèses au conditionnel présent. Si tu organisais une fête, tous tes amis, verbe être, présent. Nous, le verbe souhaiter, réserver une chambre, s'il vous plaît. Si nous prenions l'avion de 13 heures, nous, le verbe arriver avant la tombée de la nuit. Avoir la gentillesse de nous prêter votre tondeuse, s'il vous plaît. Vous ne, le verbe plaisantez pas, si vous étiez au courant de la situation. Si j'étais avocat, je, le verbe plaider, sûrement pour lui. Et enfin, la dernière phrase, s'ils avaient le choix, mes parents, le verbe voyager, souvent. Voilà, je vous laisse quelques minutes et on se retrouve tout à l'heure. Alors, vous êtes prêts, chers élèves? Allez, corrigeons ensemble notre exercice. Si tu organisais une fête, tous tes amis seraient présents. Bravo, bonne réponse. Nous avons le radical du futur simple plus la terminaison de l'imparfait. Bravo. Nous souhaiterions réserver une chambre, s'il vous plaît. Très bien. Ici, j'ai gardé l'infinitif du verbe, puis j'ai rajouté la terminaison de l'imparfait. Bravo. Si nous prenions l'avion de 13 heures, nous arriverions avant la tombée de la nuit. Très bien. Ici, nous avons un verbe du premier groupe, donc je garde l'infinitif, puis je rajoute la terminaison de l'imparfait. Bravo. Auriez-vous la gentillesse de nous prêter votre tondeuse, s'il vous plaît? Bravo. Là encore, j'ai mis le radical du futur simple du verbe avoir plus la terminaison de l'imparfait. Vous ne plaisanteriez pas si vous étiez au courant de la situation. Donc ici, un verbe du premier groupe, donc je laisse l'infinitif, puis je rajoute la terminaison de l'imparfait. Bravo! Si j'étais avocat, je plaiderais sûrement pour lui. Là aussi, j'ai un verbe du premier groupe. Donc, je laisse l'infinitif, puis je rajoute la terminaison de l'imparfait. Super! Et enfin, la dernière phrase. S'ils avaient le choix, mes parents voyageraient souvent. Un verbe du premier groupe à l'infinitif. Donc, je garde mon infinitif, puis je rajoute la terminaison de l'imparfait. Bravo! Vous avez bien travaillé, comme d'habitude. Vous méritez mes encouragements. Passons maintenant au deuxième exercice d'entraînement. Vous allez bien sûr répondre sur une ardoise ou sur un cahier. Première phrase, nous organiserions peut-être une fête demain. Alors je vous donne quelques minutes de réflexion
Alors la réponse? Bravo, c'est le conditionnel présence. Vous avez le radical du futur ou l'infinitif du verbe plus la terminaison de l'imparfait. Bravo. Vous seriez d'accord de passer un week-end avec nous? La réponse, bravo. C'est le conditionnel présent. Vous avez seriez, c'est le verbe être. On a le radical du futur plus la terminaison de l'imparfait. Très très bien. Ils avaient toujours peur dans cet endroit obscur. Excellent. C'est l'imparfait. Bravo. Tu discutais souvent avec cet homme. Super, c'est l'imparfait. Ici, on n'a pas de radical du futur. N'est-ce pas? On a la terminaison de l'imparfait, mais on n'a pas le radical du futur. Donc, c'est l'imparfait. Bravo. D'après les rumeurs, cet homme serait un chercheur international. Très bien. C'est bien sûr le conditionnel présent. Le verbe ici, c'est le verbe être serait. Nous avons le radical du futur plus la terminaison de l'imparfait. Ben, bravo. Nous allons maintenant attaquer notre deuxième exercice. Transforme ces phrases au conditionnel présent. Je reste peut-être chez moi cet après-midi. Cet élève était le premier de la classe. Cet homme a eu des difficultés à respirer. Ces cambrioleurs racontent n'importe quoi aux policiers. Vous souhaiterez fêter votre anniversaire en Espagne. Et enfin, notre dernière phrase, nous aurons peut-être des nouvelles de notre grand-mère. Voilà. Notre cours de conjugaison prend fin ici. J'espère que vous avez bien assimilé ce cours-là. Je vous dis bonne fête, à très bientôt. Ciao, ciao!